Thibaut sur la glane en pays limousin. Bourgade pleine de charme, on y vivait serein. La vie s'écoulait douce et le temps s'arrêtait. Dans les cours des écoles, les enfants s'amusaient. Petit village tranquille ou quelques citadins quittaient un temps leur ville pour ce joli patelin, devenu terre d'asile pour les enfants lorrains. Comme épargné, la vie de ce village où l'air était léger, ne manquait de rien dans ce havre de paix. On en oubliait presque qu'on était occupé, comme si de rien n'était, on allait travailler. Parler de la pêche, des poissons, du gibier. Parler du dimanche, du temps qu'il ferait demain. Et dans cette insouciance, on se doutait de rien. Sont arrivés des éclairs dans les yeux, et ils ont fait sortir tous les gens de chez eux. Et sans même savoir ce qui les attendait, c'est sur le champ de foire qu'on les a rassemblés. Les enfants des écoles ainsi les ont rejoints. Aussi les paysans qui travaillaient non loin. Combien de promeneurs qui passaient par ici se sont fait arrêter manu militari. Emmener les femmes et les enfants, destination l'église, sans ménagement. Bébé en poussette de quelques jours seulement, on a vu leur mère pleurer à ce moment. Les hommes feraient partie à leur tour dans des granges. Certains étaient confiants, malgré le calme étrange. Les soldats qui pointaient sur eux des mitrailleuses, certains croyaient sûrement à une fin heureuse. Dass diese Zukunft recht los muss, ja. Ich weiß.